Je me sens très très heureuse vraiment d'avoir un nouveau album avec deux œuvres à moi que j'ai réalisées dans la dernière année. Et je suis très heureuse parce que c'était l'idée de Manfred Eicher de mettre dans l'album les deux musiques. Et ça, au départ, je n'étais pas certaine qu'il fallait le faire. Mais maintenant, je me rends compte qu'il y a une parenté extraordinaire entre les deux œuvres. L'idée centrale de ces deux œuvres, c'est l'amour. L'amour, l'identité, les frontières et aussi la dimension de pardonner l'autre. Et je pense que pour la pièce de Wajdi Mouawad, qui est un écrivain très, très important de notre époque. Et c'est une pièce qui se base profondément sur des choses qu'a vécu lui-même. Il a vécu l'exil, et il est parti pendant la guerre civile du Liban, et il est venu en France, il est allé au Canada, et il a vraiment des choses très profondes qui le touchent probablement à cause de cette histoire de guerre civile à son pays natal. Et le cinéaste Payman Maadi, c'est quelqu'un vraiment un être extraordinaire. Et moi, je l'avais vu comme protagoniste dans le film de Faraday, Asghar Faraday. Il jouait dans le film A Separation. Et il a eu le prix de l'interprétation au Festival de Berlin. Je le connaissais par là. Et lui, il m'a appelé, il m'a dit « J'aime beaucoup ta musique et j'aimerais même que tu me joues quelques notes au piano. » Tous des oiseaux, c'est ma première composition. Et c'est la musique que je composais pour la pièce extraordinaire de Wajdi Mouawad. C'est une pièce qui fait un succès international. Et maintenant, je suis à Paris pour la répétition de la pièce au Théâtre National La Colline pour cette année. Manfred Eicher, c'est un grand chapitre dans ma vie. Manfred Eicher, je l'ai connu il y a un peu plus de 30 ans. La première fois que je l'ai vu dans le studio, travailler pour mon premier album, le Music for Films, j'étais très impressionnée par sa force, par son inspiration, par la magie de ses doigts, parce qu'il travaille à la console aussi, c'est un musicien. C'est comme un chef d'orchestre. Et puis, il tient beaucoup à faire une belle dramaturgie dans le disque. Une dramaturgie qui est différente de la pièce du théâtre ou différente du film. Et Manfred, il est vraiment extraordinaire pour faire ça. Et je lui dois beaucoup, beaucoup de choses. Et je suis très reconnaissante qu'on a fait tellement de voyages ensemble dans la musique.